Alors, je profite de la météo du jour qui est entre soleil et nuages pour prendre cette image que le temps est à l'image de la vie. On a toujours un soleil à l'intérieur de nous, une vérité dans notre cœur, et c'est souvent nos pensées, tout ce qu'on se raconte dans notre tête qui viennent comme des nuages parasités, filtrer cet ensoleillement intérieur. Et l'accompagnement que je propose, il est justement d'aller muscler cette capacité à naviguer sur toutes les couleurs de la vie, en dépit des tempêtes émotionnelles, en dépit des vagues extérieures, et de garder le cap sur vos envies et vos aspirations profondes. Quand on cherche à comprendre, à solutionner des problématiques avec notre tête, on est souvent en projection de la réalité des situations. De par nos bagages, nos vécus, nos conditionnements, c'est comme si on avait en fait des lunettes de soleil et qu'on cherche à voir la vérité, à éclaircir, mais à travers des filtres. Or, quand on se reconnecte à nos ressentis corporels, émotionnels, on est à nouveau en contact avec le vivant, avec le présent. On ne peut pas se raconter d'histoire. Et pour moi, c'est cette intelligence sensorielle qui nous ramène à la vérité des situations et des personnes. Là où on peut aller voir clair, où il n'y a pas de filtre de lunettes ou de double fond. Donc, si vous en avez marre de vous poser 10 000 questions sur une relation, sur votre place, sur un désir de création, et que vous avez envie d'aller retrouver cette complétude, je vais vous offrir des outils pour, dans l'expérience, remettre votre corps, votre intelligence corporelle et sensorielle à la place d'outils de diagnostic puissants, à la place, lui redonner sa place de capteur subtil pour aller déloger, débusquer toutes les petites mécaniques qui vous freinent, aller libérer vos désirs profonds et bien sûr activer, enclencher la transformation vers laquelle vous avez envie d'aller concrètement. Donc j'utilise pour cela plusieurs outils de techniques de training de l'acteur. Il y a le dialogue intérieur qui permet d'aller écouter toutes ces petites voix dans notre tête qui sont en contradiction apparente, d'aller les harmoniser. J'utilise également le psychodrame, les constellations qui permettent d'aller mettre à jour et d'aller déjouer les dynamiques relationnelles qui peuvent encore vous limiter dans la réalisation de vos désirs, de vos aspirations profondes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement. J'offre toujours un temps de diagnostic en amont pour comprendre là où vous êtes et votre besoin d'appui. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que j'ouvre donc pour le premier week-end de Constellation, qui a lieu le 9 et 10 octobre prochain à Paris, un tarif tout spécialement préférentiel. Donc, il reste encore une dizaine de jours et contactez-moi pour qu'on puisse en parler directement de vive voix. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mais n'hésitez pas à partager et à commenter évidemment sous ce post. Je vais communiquer également dans ce post toutes les dates ou le calendrier annuel que j'ai posé sur notamment ces week-ends de Constellation. À très bientôt.